Un nouveau vlog en direct de Venice Beach. On est toujours là, on est toujours posé et on va attaquer une interview. Jacopo est en train de mettre en place tout le matériel. Je suis avec PJ et qui c'est qui est avec nous? Sandra Bricker. Bonjour. Bonjour. How are you? Good, how are you? Allez, checker, elle a une chaîne YouTube aussi, elle parle français très très bien. Et bien sûr, Chad il est là aussi. How are you, bro? Great. Ça va bien. Say, ça va bien. Ça va bien. Yeah. Voilà, vous avez vu, ils sont bilingues, ils parlent français. Trilingue même. Et après l'interview, on va faire quelques plans. Motivation, training. You ready? I don't know yet. Let's see what you guys had in mind before I say yes. Let's go. On a failli faire un accident. On a failli faire un accident. Un accident. Yeah, I got it. Let me welcome everybody to the Wild Wild West. A state that's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Like a vest for your Jimmy. Bon, après le tournage et le shooting. Bon, c'est le dernier jour de Jacopo ici, il va rentrer en France. Enfin, non, il va aller en Suisse. Encore. Mais malheureusement, quoi, nous on voulait manger clean comme tous les jours. Ça craint. Et le mec nous oblige à manger sale parce que c'est son dernier jour et qu'il faut aller au resto et tout. Troisième pizza en 3 jours, 4 jours. Oh. Et on a reçu les pizzas et le plat pour Milan. La petite prière avant le départ, Jack, est-ce que tu as un mot à dire? C'était très magnifique, c'était magnifique. T'as en ça l'émotion, c'était merci. L'émotion qui traverse la caméra. Tu nous as joué avec beaucoup d'émotion. T'es prêt? Attention, 3, 2, 1, chut. C'était le plus beau voyage de ma vie. Et les plus beaux moments de travail avec vous. Bon, après l'école, je reprends. Après l'école, on va revoir des scènes. On va apprendre des chorégraphies de cascadeurs parce qu'on va jouer dans une web série des Français qui sont ici à Hollywood et qui créent une web série. Donc, on est dans un des épisodes. Et en gros, on est des méchants, on se fait défoncer, quoi. Donc, aujourd'hui, on va répéter la choré de la Marave. Voilà. Donc là ça s'entraîne, moi je vais me battre contre Julien, enfin je vais me faire défoncer par Julien, Alex il va se faire défoncer par Dan et avant il y aura eu Alex aussi défoncé par Dan et Milan par Julien. Et Aziz c'est juste la chorégraphe, okay. Pour rien. Au contour. Bon, Julien essaie de nous apprendre à se relever quand on est sur le dos, il m'a dit après tu veux le faire sur la tête. Vas-y. Ouais. Mais c'est après, l'étape d'après, ça. Bon alors, vous allez... Putain, faire on a appris à se relever, mais c'est encore impropre. Ouais. T'es jamais sûr, en fait. Moi, j'ai réussi 2 fois jusqu'ici. Bon, on va voir. C'était les 2 dernières. Allez. Alors, je suis sur un échec, donc oui, il y a match. Allez. Ouais. Just to go. Oh. Ah. Je refais. Bon, S0. Ah ouais. Match. Revanche. Recule un peu. 1, 2, 3. 2-0. C'est pas perdu. Ta gueule. Balle de match. Allez, balle de match. 2, 3. Ouais, 2-1. C'est pas fini. T'as trop de confiance. Alex, il a le cardio. Allez, 1. 2 2 2 Ça va, je suis allé trop loin. Balle de match, recule un peu. La dernière chance, les gars. 1 2 Ah, 3-3, ouais, voilà. C'était la meilleure fin qu'il pouvait y avoir pour la soirée de ce soir. Comment ça allait se passer entre nous? Bon, merci les gars en tout cas. Good. Coup de pied retourné. Ah,
short. Des meilleurs, je suis élitiste. Je vous laisse les autres, je vous laisse les hitistes. Je suis venu amener Rocher à l'édifice. Tellement fier de la mif que je ferai édifice. Un édifice, là qui balance missile. Et voilà, on arrive au Staples Center. Milan, on a eu les casquettes. Let me see. Yeah, beau gosse. Et là-bas, c'est la salle. Ta-na-na-na. Et c'est parti. Là, on arrive dans l'arène. Bah là là, un enfant. Là. Hello. Ok, on est tout en haut, on les voit en petit. C'est parti! Bon, en plein match, vous savez ce qui est horrible, c'est les gens qui mâchent la bouche ouverte. Et Alex, il est en train de péter un câble parce que le mec à côté, c'est un scandale. Il me dit putain, je vais lui dire, putain, je vais lui dire, il met trop la mort, je vais lui dire. Oh, je vais dire un canard, moment, un canard qui mâche. J'ai hésité à lui mettre un coup de coude pour qu'il s'étouffe avec sa frite. Alors, vous aussi, ça va vous énerver. Franchement, j'ai jamais vu ça. C'est parti, départ pour l'école. C'est le matin, il fait beau, il fait chaud. Une journée de plus. 8h20 degrés, c'est ça. Bon alors, on vient d'arriver dans un parc et on va tourner un épisode d'une web série qui s'appelle Furiously French. Et donc nous en fait on est les méchants dedans. C'est ça, on va se faire défoncer. On est en train de voler cette voiture et qui est aux Français là, aux deux Français. Et on va se faire défoncer. Ils ont même réservé le parking French parking only. Alex Berg à la réalisation. Fais passer tes émotions, Alex, toi qui dirige. Hein. So, whenever you want. Ça va, Alex. Action. Aujourd'hui, c'est départ pour Vegas, mais on a déménagé. Donc, je vous montre un peu l'appart. Donc, là, il y a PJ qui est en train de faire du stretching, j'ai l'impression, qui travaille. Donc, on a. Bon, l'appart, il est pas très beau. Mais bon, là, c'est la chambre à Milan. Mais il est super grand. Là-bas, c'est la chambre à PJ. Par contre, faut leur dire, franchement, la moquette, c'est fini depuis des années, quoi. On a une grande salle de bain. Donc voilà, avec une douche ici, une autre douche ici, et la même salle de bain là. On a une chambre ici, chambre d'amis, parce qu'il y a du monde qui va nous rejoindre, il y a des potes qui vont venir. Et là, ma chambre, ici. Donc au niveau placard, ça devrait aller. Le petit micro en place. Et là, on va s'entraîner. Et après, Las Vegas. Et on a une chambre d'amis, donc mettez dans les commentaires qui veut venir avec nous, peut-être on en choisira. Chaud pour Las Vegas, les gars. C'est parti. Is it for a short space? I get money 3 ways. Fucking bitches 3 ways. 7 different formats. Plus she's no I'm late, but I make that bitch rough. Some cheesecake. Black Beatles in the city. Be back immediately to confiscate the money. Fresh girl. Wow. Sur la route de Vegas. Arrêté par les Schmitt. Voilà, ouais, ils sont juste derrière vous, vous voyez pas. Attendez, j'essaye de faire. En fait, on a les phares pleine tête. Ah, donc là, il s'est éclairé là, attendez. J'essaie de vous montrer dans le rétro. On fait attention parce que ici, s'ils font, ils croient que c'est une arme, tout simplement ils vous flinguent. Ah bon, on voit rien du tout, ouais. Et ici, voilà, s'ils croient que c'est une arme ou quoi que ce soit, ils vous flinguent. Direct. Donc Milan, il nous disait, mettez les mains sur le volant, enfin, mets les mains sur le volant, ne dites rien, dites yes, yes, yes. Il voulait pas trop qu'on respire. Et là, il a avoué qu'il a transpiré. Ouais. Du dos. Et des fesses. Hey guys. Yes. I'm talking to you. See you standing over there with your body. Feeling like I wanna rock with your body. C'est vraiment énervé.
arrivé à Vegas dans la chambre du Venetian. Donc ça, c'est juste la salle de bain. Magnifique. Et là, attention, attention, attention. Un Milan. Donc les lits, la chambre, c'est magnifique. Un Alex qui est content. Et genre juste un petit salon. Deuxième télé. Et la vue. Avec la petite piscine en bas. Au Camzer. Il y a bien trois lits, hein. Deux et trois. Là c'était un canapé, mais il s'est transformé en lit, ok? Comment c'est pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu sais pas? I don't know. Et alors, petit endroit sympa. Les gars, c'est juste fou. C'est la folie. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Yo, he ain't messing with no average chick. Pop, pop. He got Nicki, he know that he hit the jackpot. Eight baller tryna score, check them shot clocks. But I hit them with them prawn Iguodala blocks. Eat the cake, guinea, suck on my toes. Yes, hitting them home runs. I be like, go. That girl is a real crowd please. Small world, all her friends know of me. Dimanche après-midi, retour à Los Angeles. Bon, on est bien éclaté. Deux jours à Vegas, ça fait mal, c'est vraiment le max. Et donc Alex, il est rentré un peu plus tôt en avion parce qu'il y a Capucine qui est arrivée. Nous, on rentre avec Milan là en voiture. Et voilà, c'était lourd. On n'a pas pu tout mettre. J'ai du mal à parler parce que ce qui se passe à Vegas, ça reste à Vegas. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé les images. C'est vraiment une ville de dingue si vous avez l'occasion d'y aller. Et là, c'est reparti les choses propres. On mange propre et on s'entraîne sale. Living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Et lundi après l'école, on s'est tous rejoints pour manger. Et qui c'est là? Capucine qui est en train de vlogger. Milanus. Et aujourd'hui, retour de l'école. Il fait 40 degrés. Avec les copines. Et là, je sais pas si vous voyez bien, mais il fait très chaud. Il fait tellement chaud qu'on voit même plus la chaleur. Ah si, on voit 36. Je pense que c'est même un peu plus. Never treat you like a groupie. Calamari dinners got you eating raw sushi. Still in the trap, but I like my bitches bougie.